Y a le boom là, genre. J'attends que ça. Je suis T'attends que plus ça? hangar là. Dès que je dis boom, c'est parti. Ouais. Bonsoir mesdames et messieurs, vous êtes actuellement dans la game 2 de Team Kinguin Tu contre aurais Virtus dû me Pro. dire. Ah. Casual boom de lancement. Virtus Pro qui Boum! mène d'une manche. Boom! Une manche. Les bans seront-ils changés suite à cette première manche? Personnellement, je bannerai Medusa à la place de Team Ouais, je Kinguin. pense aussi. À moins qu'ils aient un autre plan, c'est genre là, ils first pick PL ou un truc du style. C'est vrai. Là, le Pour problème, se c'est protéger de qu'ils ont Medusa. voulu ban tout à l'heure Morph. Et là, ils peuvent pas ban Morph et Medusa, vu qu'il reste plus qu'un ban pour eux. Ils ont cependant le first pick. Yep. Non, ils virent la Dusa quand même. Ils virent quand même la Dusa. Et ils peuvent first pick le Morph si. Ouais, non, ça va, c'est pas une situation trop Ok. mauvaise. Ils peuvent first pick le Morph, mais il reste là. Il reste leur Tusk aussi. Ok, ils prennent l'un Prennent là. pour. Ok. Est-ce que Et tu ça, oses prendre Morph derrière? c'est le plus malin quand même, non? De Ouais. first pick à Adam, tu vois. Ouais, c'est pas mal. Pas mal, hein, si t'arrives à tirer. Voilà. Si t'arrives à tirer sur Cité, Morphling. oh non, rien à foutre. Mais moi je pense que A c'est fort, mais faut réussir à tirer sur Morphling. Hein. Mais ça j'aime bien parce que VP ils sont en mode j'en ai rien à carrer mon gars, t'as A, j'en ai rien à branler. Stop. A c'est pas un contre amorphe à proprement parler, je veux dire un morph malin il dodge là toute la game. Mais c'est un moyen, c'est-à-dire que dans ton draft t'auras toujours un moyen de tuer le morph. C'est bien, au même titre que si t'as un Doom dans ton draft, t'as toujours un moyen de tuer le Morph C'est dans la vrai. game. Mais le truc, c'est que c'est pas pour autant que c'est free win quand t'as A contre Morph ou que c'est free win quand t'as Doom contre Morph, quoi. Je pense que c'est ce qui est particulier en fait. Alors, si t'es un joueur de Morph et que tu as beaucoup joué les héros et que les mecs te piquent à 1 en pensant que c'est un compte, ah, tu te rends compte qu'il faut juste pas te balader à 2 HP quoi. Ouais, c'est ça, Tu il te faut. balades comme un héros normal à 1500 HP, 1700, tu te scales au fur et à mesure de la game pour toujours avoir beaucoup d'HP. Certes, tu fais moins de dégâts, mais tu te fais pas one shot quoi. Et c'est très fort pour choper aussi le morph qui évolue tout seul sur la map. Par contre, tuer un morph en teamfight grâce à un A, c'est un autre problème, hein. Généralement, là, il meurt avant qu'il ait le temps de lâcher C'est l'ulti, hein. vrai. Et c'est très. Bah, il lui faut un lockdown quoi pour le placer. Alors déjà que Tout à Morph en fait. général une Lincoln, quand ça monte en niveau, tu peux choisir peut-être, si t'as vraiment peur de prendre la range de waveform et dodge les trucs. Tu pourrais très bien pour Virtus Pro prendre un support défensif qui te protège de la magie. Peut-être quelque chose comme Oracle, qui est d'ailleurs bien contre Butchator pour dispel les tracks. Quelque chose comme Abaddon, qui peut tout aussi dispel les tracks et te protéger, en tout cas tanker les dégâts magiques. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Il y a aussi le Repel. Omni-Knight Alors, est-il toujours dans le pool? Oui. pas forcément pour les dégâts magiques, mais pour le côté de dispel, je sais que Pasha aime bien LC, notamment. C'est vrai. Ah, du coup là Ouais, ça du marche coup, pas je. très bien au contrat mais Non, mais pour les tracks, ça marche. ouais. Oh, il y a encore l'Omni-Knight dans le pool en vrai, hein. C'est sacrément costaud. Alors est-ce que tu le prends tout de suite? Je sais pas. Omni-Knight contre les 3 héros en face, il est quand même heureux, hein. Ouais, c'est quand même sacrément stylé, ouais. Je trouve aussi que Omni a pas mal de value là pour le moment. À eux de voir s'ils ont envie de prendre leur deuxième support plus tôt. On sait qu'ils aiment vraiment bien les supports qui insistent sur la phase de ligne, hein, les ogres et tout. Ça va être un cloque, alors on sait pas encore s'il est 3 ou 4. La plupart du temps, ce héros est 4. Mais Il y avait une question pourrait sur le être, tu chat, vois. si tu pouvais dodge, enfin Autovage t'indique que tu peux pas dodge l'ulti A. Ouais, si t'es en wave et que tu prends l'ulti A, tu prendras le. Pas les dégâts, mais tu prendras l'effet. C'est ça, tu prends le Mais debuff, mais tu pas peux sortir de la l'impact. zone d'impact avant qu'il touche, quoi, si t'arrives à faire une waveform sur le côté. Faut savoir qu'également que l'ulti A, tu le vois sur les wards des sentries, donc si tu veux vraiment protéger ton morph, tu mets des wards et des sentries à certains endroits de la map. Genre à chaque fois que tu mets une ward sur une colline, tu peux mettre une sentry et voir si le projectile passe quoi. Dans les cas tu peux. Et puis il faut. Bon ça demande un peu plus de vision de jeu, mais tu peux te dire bon bah le mec a son ulti, ça fait 45 secondes, le mec a pas son ulti, etc. etc. En fait, tu sais qu'il voudra. Son objectif là, très clairement dans cette game, ça sera de le foutre sur le morph. Donc tu peux jouer autour de ça, tu peux faire plein de Ah bah choses. lifestealer, j'ai fait une game où mon lifestealer a roulé sur le morph, où on tuait le morph grâce au lifestealer. Parce que, et je me suis dit putain c'est malin ça, parce que le mec on le go le morph et il morph tout en force, et le lifestealer du coup le défonçait en fait.
Est-ce qu'il avait trop de PV max? Alors je pense pas que ce soit un contre absolu, mais j'étais là en mode putain mec, il le déboîte quoi. Et il avait le talent du bonus sur le fils, là il lui mettait de ses tartes. Y'a pas besoin de sentry, tu vois comme la Rocket Clock, donc juste avec Ops. Alors le premier projectile, tu le vois pas, il est invisible, le deuxième tu le vois comme une roquette. Ouais. Le premier projectile lent, tu peux le voir avec une sentry, celui de où l'ancienne apparition a pas encore release. Et le projectile de release, tu le vois normalement quoi, sur la carte. Ouais. Les deux. C'est tout à fait ça. On bat des billets dans Last, hein, le SF. Alors c'est marrant qu'ils battent le SF parce qu'ils ont un petit peu peur du Morph of Lane que Pacha a joué une fois. Donc il y a peut-être un plan de Morph of Lane quelque part, donc ils battent le SF. Sous prétexte qu'ils ont un clock. J'aimerais que ce soit le Morph of Lane, ça serait intéressant. J'ai encore pas vu le héros en action. Ah ouais, bah, Tradel, pas de problème, mais c'est en fait, je sais même pas en fait si le deuxième projectile t'as le temps en fait de le dodge. Bah, faut avoir des bons réflexes quoi. Pour les jeunes, ça doit le faire, mais moi je galère quoi. Je pense pas que t'aies le temps de le dodge le deuxième projectile. Tu peux le voir passer sur la map effectivement et faire une petite dagger. Tu fais une petite dagger. Oh dagger, dagger. Puck. Pacha of Lane Morph. Ouais. Ouais, c'est possible le Pacha of Lane Morph, il jouait. Il jouait comment? En Max Stun? J'ai pas vu la game donc je sais pas, j'ai juste regardé le parser et j'ai vu le que s'il y avait triple corps et dont un morph sur Pacha. Le puck est assez logique, c'est un très bon pick là en last, porteur de next bomb, tout ça, tout ça. Porteur de next bomb, bon silence venant du fog. C'est à dire que en général t'as pas le temps de morph. Donc c'est très bien contre morph hein, parce que s'il se balade le HP, après si c'est un morph force c'est nul. Ouais. Mais bon ils se protègent, ils sont... ça leur fait un véhicule. J'y trouve quand même sacré en squishy. Hein. Le Tide, certes, c'est un héros qui est censé être tanky, mais pas contre la magie, ils ont beaucoup de dégâts magiques. Le Life Stealer, il sera tanky, et lui il sera tanky contre la magie. Donc il est... c'est le meilleur je pense de l'équipe, mais tout le reste c'est squishy quoi, c'est... ça peut vite fait se faire stomp. Et ça va effectivement être un Morph of Lane, je pense, hein. Alors parce que le Razor arrive vraiment en réaction au Lifestealer. D'ailleurs, ils vont peut-être essayer d'aligner la lane de Razor contre celle du Lifestealer. Oh, okay. On serait peut-être sur un Morph Safe Lane. Il doit pas être en match-up gagnant contre Tide au passage, mais... ça va être pas cher au Morph, intéressant. Morph utilitaire. Pause. C'est ça qui est trop bien, c'est que si en plus eux... ils ont inventé. Alors, le Morph est le héros pour moi pété, le plus pété de la version encore. J'ai pas encore joué en support, vu en support, vu en offlane, joué en offlane. Mais si tu peux commencer à le jouer à d'autres positions, bah, ça devient encore plus complètement broken. Alors, moi j'avais des gros bémols sur le Morph offlane. Post-patch. Parce que, en gros, le problème que j'ai avec le Morph offlane, c'est que. Avant, pour moi, il résidait sur trois choses. C'était 2-1, t'avais en fait la facilité que le héros avait en early avec les items que t'avais à disposition au side shop pour construire tes premiers items, notamment les tranquille boots qui étaient tu pouvais obtenir très facilement. T'as quand même le stun fait moins de durée max maintenant, hein, il est quand même à 3 secondes mais il fait moins de durée max maintenant. Et en fait le CD de l'ulti à bas level est beaucoup plus long. Alors c'était pas un tool super important du morph du stun l'ulti. Et en gros, on a déjà vu que les morphs core pas offlane l'utilisaient peu. Pour moi, pour les morphs offlane, en fait, il devient bien qu'au level 20, ce truc véritablement, dans une situation de CM. Hein. Parce que là, en gros, aller te transformer dans un héros adverse, ça va vraiment pas être très utile dans cette game. Hein. Il y a Lille, on va garder un œil sur lui, là, avec ce trait qui se passe en haut. Et à mon avis, il risque de tomber avec le Chilling Touch. Ouais, il va tomber. Vous êtes sur la Foggy TV, le First Blood n'a pas été manqué. Moi je pense que c'est pas. Le morph sera pas ouf dans cette game, mais gros plus du morph utilitaire par rapport au morph utilitaire d'avant. Abscess aussi il va se faire au-dessus. Bah ils y vont hein. Ils se font ruscover là. Trop fort que je sur Tide au level 1. C'est vraiment le meilleur spell à prendre au level 1 quand tu peux. C'est que le morph va beaucoup plus vite en fait. Et tu n'es plus qu'une machine à stun. C'est-à-dire t'es une machine à stun, tu te transformes vite fait en burst dégâts, tu peux faire de l'eau. Alors certes ça consomme beaucoup plus de mana qu'avant,
Parce que ah, mais tu du coup, dois. tu le build comment ton utilitaire? Parce qu'avant, tu faisais vraiment, tu sais, genre, Heal, Tranquil Boots, Dagger, Aetherlands. Moi, je pense que je ferais Aetherlands. Ouais. Pareil, Tranquil Boots. Je ferais pareil. C'est, il me faut, en fait, je pense qu'il faut beaucoup de mana. Et ce que je ferais, c'est j'arrive en fight full force pour foutre un stun. Je jouais form, je mets full agi, je fouille un burst de dégâts, je me remets full force, je remets un stun. Ce genre de choses, quoi. J'alternerais et j'utiliserais beaucoup plus de sorts qu'avant où. Bah simplement j'arrivais, je foutais un stun de 4 secondes et puis c'était mes potes qui le tuaient quoi. Ouais. Parce que... Oh hardstyle mid. Ouais non tu trades pas contre Justin Touch ma gueule, ouais. Bon il faut n'importe quoi PP sur les games. 3 kills apportés par des spells level 1 qui sont violents. Bonjour le gauche au level 1 ça fait mal, bonjour le Chilling Touch ça fait mal. Faut apprendre ce genre de choses messieurs, respectez un peu ces spells. Sinon vous allez mourir en boucle, c'est le cas pour le moment. Moi j'étais un grand fan du morph avant, ouais. le morph utilitaire avant. Et je l'ai pas du tout rejoué depuis le patch. Donc il faut que je le rejoue pour me faire une idée. Mais si c'est encore jouable, j'en jouerai. Oh bah Zaped. Il y a des bons échanges là. C'est... Ils n'ont pas de Chilling Touch, parce que bon, 50 secondes sur le Chilling Touch, c'est ce qui leur a fait donner le premier kill avant. Et Avalanche No One. Mister Avalanche, lui, il max Avalanche sans problème. On va voir s'il va continuer à le faire dans cette game. Il a pris le Trigrab au level 2, donc t'as pas la pression du toss. Je pense que c'est normal quand même en mid, tu prends le Trigrab au level 2 quoi qu'il en soit. T'as pas la pression du toss, donc un peu moins de dégâts à porter, un peu moins de. Ah, out of position qui se ferait punir. Machin, il se retrouve. Il se retrouve en 1v1 quand même avec son morph. Hein. Ouais. Je pense que ça doit le faire contre Lifestealer en pur 1v1 comme ça. Ah ouais, ouais mais là il joue est... en agi. Il peut faire ce qu'il veut. Hein. Il, C'est comme s'il était carré là en top, la bouti, la bataille. Il qui a voulu la prendre, qui s'est fait attaquer. Il va se refarmer ses cog. Attends, c'est middle. Hardstyle qui a attrapé Nisha mais qui est out of position avec le Chilling Touch. Ça fait très mal. Ça feed. A chaque fois qu'il y a un Chilling Touch, ça feed. Hein. Ouais, ouais, ça respecte pas du tout ce spell pour le moment. One qui veut aller voir Nisha. Alors il a Avalanche Toss Tree, hein, donc c'est comme s'il avait un Echo Sabre. Kakor qui arrive par derrière. Il a été révélé par la Sentry. Toss back. Nice. Nisha comment qui il s'est débarrassé du problème, mon gars. Ça, il va revenir middle. Pour l'instant, le Razor est free. Et très bien free, hein, parce que le Tide Gush, c'était bien niveau 1, mais... Voilà, Tide Gush. Il va contester la ligne avec le Bounty, mais derrière la ligne, il peut pas trop la jouer, il la cut. Voilà. Puis de toute façon, Tide contre Razor, voilà quoi. Prends Bagdad quoi qu'il en soit, donc... Ligne middle équilibrée, même si plus de kills ont été donnés par VP. Ouais, je pense que dans le grand tout, t'as juste. Ah, oh, attention à toi, Nishamid. Dans le grand tout, j'allais dire, t'as la qui a du level. Et ça c'est bien ça. Parce que là, s'il récupère le kill, il passe level 3. Non, il passe level 3, quoi qu'il en soit, sur le prochain kill. C'est un peu la bitch là. Hein. Bottom, on essaye de veiller sur Pacha avec Kakor qui va décale. Va peut-être être surpris par le crit. Bon, si. Il me fait tuer, mais. C'est con que Exotic Deer il aille pas, même pas essayer de trouver un moment pour ce salve là. Parce que. Je pense que ça passait s'il trouvait un petit moment pour ce salve. D'accord. Lidl, on essaie de mettre. Non. Non. Alors il a dû le foot le hit bonus dégâts dans le fight time, je crois. C'est comme ça qu'il a fait pour le tuer. J'ai jamais réussi à faire ça, putain, pourtant je l'ai joué Bounty, hein. J'ai jamais réussi à faire ça. Au niveau 1, ça se fait très bien parce que t'as le fight time qui est très long, je crois. Fight time de 1, t'as une seconde de fight time donc. Garde de la Bounty gagnée par les top, hein. Il a réussi à. Pour les pathos et à pas le laisser. Et mine, on va partir sur No One cette fois-ci qui touche la Valonge sur les deux. Toss back, mais sur le puck. Oh, il a pas été assez rapide, Hardstyle. Ouais. Ils vont peut-être le récupérer quand même. Ouais, bien. Bon contre-kill là-dessus. Il tente c'est un trade de mid pour arme. Mid. Hein. Mais on va voir qui c'est qui. Ça vaut à qui ça plus. Légèrement plus pour Kinguin quand même. Bah, en tout cas, en XP c'est sûr parce qu'il est mort avant l'ordre. Et en gold aussi quoi. Ouais. Marrant. On a le boutique, d'accord, qui est présent à côté de Ramsès. Ouais, qu'il puisse vraiment l'inquiéter, Ramsès. Il a fait une boot. Il joue son passif avec ça. Pour le moment, ouais. Alors, ça te fait rater des last hits, c'est chiant, mais c'est quand même c'est juste le 1 point est très value quand même. C'est 100 de dégâts avec 1 point, et c'est aussi de la move speed pour vous.
Il qui se fait attaquer. D'accord, pour l'instant, il y a une sacrée nuisance, hein, présent sur beaucoup de lane. A aidé à débloquer le First Blood. Middle, il a pas trop aidé. Bon, peut-être sur le kill sur No One de tout à l'heure. Bot, il a aidé à avoir en tout cas le contre-kill sur le Morph. Morph qui est très bien dans la game, étant donné qu'il a 22 last hit. Ouais, et 19 deny surtout. Il a plus d'un level d'avance sur Exotic Deer. Avec le kill de tout à l'heure, lui il a eu l'XP et pas Exotic Deer. Il est extrêmement bien dans sa gamme. Et puis le Bounty a aussi cette nuisance passive du fait que les supports doivent acheter des sentries en boucle tout le temps. Allez, en bas, pas cher, on va aller jumper dessus. Je devrais pouvoir waveform, faut juste je trouver le bon endroit pour waveform. Pourquoi il grid de... hein. Alors il veut tenter la man fight en essayant de morph pour tanker les dégâts, mais. Ouais. Est-ce qu'il va reculer wave tout d'un coup, mais morph tout d'un coup et tout de l'autre? Quelle question sur ce héros! Pathos. Middle, Nisha, moi, pas bon. J'étais 100%... Oh merde, j'aurais pas vu sa mine. J'étais 100% convaincu que les morphs feraient bottle, moi, depuis le nouveau morph qui a pas de mana cost, parce que tu peux, tout passer en force, bottle up, et tout passer en agi, bottle up et tout repasser en force. C'est ce que je pensais aussi, mais le simple fait de te foutre à 400 PV pool et de te remettre à 800 PV pool qui te donne 400 PV, bah c'est suffisant en fait, t'as pas vraiment besoin de morph... Enfin, t'as pas besoin de vraiment te heal quand t'es à low HP. Ouais. T'es pas à 100%. Mais t'as 400 quoi, effective HP, donc ouais, il est vraiment bien avec son morph pas cher. On sait même pas si du coup il va vraiment jouer utilitaire. Ouais, en tout cas ça commence par un Aquila et un Wand, hein, du personnellement je ferai quand même ma utilitaire parce que il va être dans une situation où il faudra pas qu'il se trouve trop au milieu. Enfin, je sais pas, à voir. Bah en tout cas il commence à investir des points en adaptive. Donc ça veut dire qu'il part plutôt sur un truc utilitaire. Sinon t'as aucune raison d'investir plus d'un point en adaptive aussi early. Deux points en adaptive, peut-être un misclick mais je pense pas. Intéressant le fait qu'il n'ait pas du coup morph maxé au niveau 7. A mon avis il y a eu un mispoint quelque part où... Bah jusqu'à maintenant il avait 2-1-3. Donc je me suis dit qu'il allait maxer aussi le morph et il vient de prendre le deuxième point d'adaptive. Ah. Ok. Bah, ça on est worse. De Tick Deer qui est quand même. Ouais, il récupère avec Accor, avec Artsal sur le côté, ils vont le voir. Hein. Alors qu'il passe un vis, il est smoke. Dust, pardon. Encore la petite croquette. Il a fait un force staff là d'ailleurs après. Yeah. Boots marron, force staff. Plutôt utilitaire du coup. Ouais. Essayer de sauver quelqu'un du Nex qui se fait go. Lille et Ramsès qui vont diriger vers Pathos. Encore 6, hein, y a rien à faire pour lui, il va donner 8 milliards de dégâts à Ramsès. On a le call qui est utilisé sur No One, qui devrait tomber avec Leeching Touch, attaque, bonus. Dominating sur la. Trop bien, hein. Bot Pacha qui était en train de go le next, il s'est mis dans un creep. Ouais. C'est un peu la panique là pour Exotic Deer. Sur cet Eternal Self qui va finir par utiliser, il y a Hardstyle aussi dans le coin pour essayer de le punir. Il peut rejeter TP à partir de maintenant, il faut le faire, faut le faire, faut le faire. Ah non, on a mal enchaîné de la part d'Ars. Il y avait un problème de fog à un moment. Cet observateur qui ne rate aucun kill. Quel professionnel. Non, je fais ça casually. Kakor qui va donner des coups à Lille avec le backup de la. Il y a des gens de tous les côtés, ils s'en sortiront pas. Lille. Mais il va mettre sa ward, il est content. Ramsès qui va se faire attaquer. Ah utilisé. Worse, il devrait pouvoir le tomber. Ouais, ceci on l'a pas slow avec le Jinana. Le gush qui fait le travail. Au passage. Bah ton Hardstyle qui est bientôt 6, qui aimerait bien prendre cette tour je pense. On le force à rage. Il a pas de TP en théorie, il devrait bientôt l'avoir, 30 secondes quand même. On a un backup supplémentaire, c'est Kakor avec son Bounty Hunter. Mais la pression, Hardstyle vient de passer 6. Ah, ils vont dropper Ward instant, hein. Faut peut-être le go. Ward il a pas les Facebook up. La tristesse. Oh, ça va être le décès du coup. La dose qui a été utilisée de manière plutôt what the fuck esque. Ouais. Ils ont dit dire, mon gars. Il tempo là, il essaie de récupérer Fast and Furious. On va prendre la tour normalement. J'ai raté par contre le premier kill qui était top. Mon premier ratage. Je m'excuse. C'est parce que tu fais ça casually.
en. Je vois ce que tu veux dire. Ok, on a un A à 5-0 de la game. C'est vrai. Je sais pas à quoi ça sert d'avoir un A à 5-0, mais on a un A à 5-0. Ça lui a pas spécialement débloqué grand chose si ce n'est des tranquilles boots. Voilà. Il va passer 6 hein, très prochainement. Ça peut servir à quelque chose par contre. Pacha, toujours une nuisance sur Exotic Deer. Peut-être qu'il a oublié justement qu'il y a une ancienne apparition. Peut-être qu'il commettra l'erreur. Il va faire un Eul au final. Il a abandonné son idée de force staff. Il est un peu perdu lui-même. Oui, il a un vieux Ring of Health. C'est vrai. Mais il faut quand même des gros cartouches à Exotic Deer depuis tout à l'heure. Mais de ses tartes, mais là c'est quand même le morph 460 PV. Hein. Là va passer 6, il y a une croquette à se faire. Hein. Ouais. Des petites piécettes, monsieur. Vous auriez pas une petite piécette? Ah, ils ont fait mass attack dans les bois en plus, j'avais pas vu. Tu peux les faire la même avec ton puck, je pense, si tu mets des vortex là. Mets des vortex avec ton A. Ils vont le faire au chilling touch, ok. Pas ouf, hein. Allez, là et 6. Il y a des problèmes d'optimisation fiscale là. Ah non, il a fait un force staff quand même avec son morph. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il a mis son bout de heal là. Ouais. Il a fait un force staff quand même. Je pense qu'il est perdu dans son cerveau. Hein. Il a pas eu sa petite dose de vodka. On casse les raindrops aux roquettes. Facile. Une roquette, deux raindrops cassés. Deux charges. Sur deux héros différents. Pacha qui est là pour la ward. Et maintenant il est full force. Il est là. Bon bah essayez de me tuer. Allez-y avec votre ulti à. Ah, il a pas lancé le bon adaptif. Ah oui, il l'avait en cooldown l'autre, il l'avait dodge déjà. Il a mis un adaptif, mon gars. J'ai pas un multiplicateur d'agi. En vrai, il lui a fait 32 dégâts avec ça. Il va essayer de le bourrer là, il faut toucher l'ulti. Ah, il touchera. Il a touché là. Allez, il faut lui mettre encore un spell là. Faut lui mettre encore un spell et il est mort. Allez, poc 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 poc. Eh ben non, l'ulti est fini. Oh, ils l'ont tué quand même. Et puis le razor, est-ce que tu peux le récupérer? Il vaut cher le razor. Par contre, c'est pas encore fait de récupérer le razor, mais il vaut cher. Et il y a le clock dans le coin qui est là pour couper la route, notamment de Pathos. Olé. Fight recap. Et en attendant, il y a Exotic Deer. J'ai pas raté ce kill. J'ai pas raté ce kill. Allez. Y'a pas. J'ai vu le cadavre s'enfoncer dans le sol. Oh là là. Bon bah cette première ulti A a débloqué des choses. Non mais il a fait le kéké avec son morph. Il faut le dire. Les choses faut les dire. Il a regardé le stream de Barsaki qui expliquait. Bah, tu peux pas morpher. Ah oui voilà. Et t'es fatigué après si t'as pas morphé. Il va dans les mid. Oh. Ah oui ça par contre ils ont buff ça, c'est vrai. Ah. Ils ont buff le knockback. C'est vrai. Ouais. Cast range 900, cast range aussi a l'air d'être augmenté, j'ai l'impression. Ah, c'est possible. Mais ils ont buff le knockback du truc, ça stun moins longtemps, mais par contre, tu pousses les mecs à l'autre bout de la planète, ouais. Kakor qui arrive avec une bombe à l'intérieur de son corps. Ah. Parti. Il veut l'art style, je pense, au premier. Hein. Là, tu entres dans la zone potentiellement centriée. J'ai pas du tout raté ce kill, on est sur une action beaucoup plus intéressante. Voilà, ah qu'est-ce que c'était bien. Wow. Non, le pire tu vois c'est que j'ai la caster curse, juste avant j'ai frimé que je ratais aucun kill. Et tu t'es dédouané en précisant que tu faisais ça de manière casuali. Oh là là, heureusement c'est pas moi après la caméra. Non, après t'es au repos, pendant une game, après t'es au semi-repos. Ses pieds sur la table. Ouais. On attend le gank middle sur Nisha. C'est lui qui a fait un peu les frais de tout ce qui s'est passé, Nisha en fait. Alors il est premier d'être hors, certes, son équipe, mais en gros c'est tout là qui lui a carotte les kills. Donc, on va bientôt avoir sa dagger. Et notre Tide, il a fait quoi? Il a fait mecha? Ouais, il est à Rhinus maintenant. Il a bien fait ses tranquilles boots sur son morph. Qui joue. Il fait le build que tu faisais en tout cas. À part là, il a incrémenté un force staff
pour. Ouais, et puis c'est Aquila qui était là pour la phase 2. Pour le next, je pense. Ça semble pas mal, celui file de la régène mana, et puis sur son deuxième sort, ça rajoute des dégâts. Ah, avant, on faisait sous le ring aussi. Je sais pas si tu fais toujours maintenant, ça donne de la force, ceci dit. Allez, la combo, elle est là, mon gars, il cold fit là. Voilà, c'était son combo, il a cold fit là. Maintenant, il met des clics droits à 20 dégâts. C'est mais sa vengeance. C'est sa vengeance. Alors, hein, tu voulais me contrer, hein? C'est moi qui te contre. Alors je tiens à dire que là j'ai pas loupé tous les kills, j'ai vu le kill de Tini avant de débarquer. Bon certes j'ai dû interpréter ta phase du il a combo le A. Parce que je regardais le kill en bas. Il la stun, il touche, je deviens un A et je te cold feed. Nice. Ça approche. En vrai il peut utiliser le chilling touch de là. Je réfléchissais vraiment qu'est-ce que c'est les bons spells qu'est-ce que c'est les bons spells adverses à prendre là. Avec son morph level 1, t'as pas grand chose à part le cold feed. Et il en peut que pour engager. Non, et aussi tu te transformes en Bounty Hunter et tu vas te promener invisible et tu instant stun quelqu'un de l'invisible. Enfin, tu peux pas instant stun parce que t'es obligé de te démorph, mais tu démorphes au corps à corps et stun. Mais un coup de Jinada, tu deviens un morph et tu stun le mec. On est sur le plan. Non, mais le chat il me trigger quoi. Et bah, badler, tu peux. Tu as le droit, pas, c'est. M'appartiennent pas. C'est un espace de discussion publique. Bah, liberté, égalité, fraternité. Ils le savent quand ils arrivent. Tu sais qu'en Suisse, on n'a pas ça écrit sur nos mairies. Mais nous, chez nous. À la limite, que tu dises oh, les sommes ne m'appartiennent pas et tout, ils ont payé pour l'eau. Je veux bien, mais les mecs qui ont pas de grenouilles, c'était des putes, hein. D'ailleurs, parce que tu. Oh. Allez Splat. Le Shadow Shaman, Splat également. Lille, triple M Splat. Ils sont bien fait ouvrir là, il manquait les deux corps utiles on va dire. Ils ont vu Nowen qui est en train de faire les anciens en théorie. Je vais mettre ça en message du jour sur ma chaîne Twitch, Liberté, Égalité, Fraternité. Parce que c'était écrit respecter la langue française, alors c'était pas ouf. Ouais. Non, c'est pas ouf. Non, on fait pas trop ça ici. Non. Alors c'est marrant qu'il ait pas cliff sur K'Kor. Il va le voir là, je serais un petit peu inquiété en tant que K'Kor. En effet. Cette espèce de mort ridicule putain. J'aurais été un petit peu plus inquiété à sa place. Hein. Ah il a voulu toss back avec l'animation. Attends, respecter la langue française. Non mais c'est complètement fait, je veux dire on a Lulu qui échange tous les mots. Ouais mais c'est pas sur mon Twitch à moi. Ah, j'ai cru que t'avais dit que c'était la description de... Non, bah, je touche pas, elle m'appartient pas cette chaîne. Je sais pas trop. Ceux qui ont du pouvoir. Maîtrise sur les autres. Nisha qui se fait repérer par Ramsès ou Ramsès qui repère Nisha. Dans tous les cas. Il repère qui? Nisha, il a son call. Il demande du backup. Le backup. Il arrive avec K'Kor. Medli est pas loin non plus. Du coup. Hop, on call, on met tout. Il cueille tout là, non? En tout cas, le Chia touchera pas. Enfin, c'est une risque, hein. Faut le finir quand même, ouais. Il est échappé, bon, ouais. Lille qui se sacrifie. Ouais. Deux sans mourir. Ça met la panique au bout de 10 heures, ça. On a le backup qui arrive sur le côté. Ah. Pacha et ses magnifiques. Son magnifique apport de 40 dégâts, mais d'un seul 3 secondes. Non, mais je suis sûr que s'il a mis 4 points en morph, et ben il pourrait beaucoup plus switcher entre AJ et Force. En vrai, je vais le jouer, c'est pas parce que j'ai toujours adoré les morphs utilitaires et je ne dénigre pas le potentiel global de ce héros. Mais vous prenez l'impact qu'il a eu sur les 10 premières minutes avec l'impact qu'il a eu depuis qu'il a commencé à jouer en mode je me balade et je vais mettre des stuns aux gens. Et c'est débile, hein. C'est le jour et la nuit, hein. On a un gangbang qui se prépare sur Nowen. Est-ce qu'il va le sentir et blink out? Ah, là il a de la glace sous les pieds mais... Là il a de la glace sur la tête. Là il a de la glace dans le cœur là. Dans le cerveau. Là, il est pas très bien là hein. Il est plus que mais on a ramené Ramsès. Ouais. Il faut le tuer Ramsès, c'est lui il va tuer tout le monde hein, je pense. Je pense que il c'est... Il a une BKB, il ne craint pas le Ravage. Ouais. Bah exotique dire il est mort. Il est mort, est-ce qu'on peut récupérer autre chose? Stop, on a piégé quelqu'un. K'Kor. Et on a TP. C'est un échange Nowen contre 2. On n'a pas réussi à bait le Ravage par contre.
pensais qu'il allait ravage beaucoup plus tôt. On va dire qu'en termes de gold, c'est plus ou moins équivalent. L'XP est bien évidemment en faveur de VP sur ce genre de move, mais en termes de gold, c'est un peu kiff-kiff, quoi. Pouvoir être dans la main des vieux, hein. C'est peut-être un bon message aussi de la chaîne, hein. Le pouvoir est dans la main des viewers. Alors, les viewers, ils ont quand même une soirée. Ils ont eu, et vous continuerez peut-être à l'avoir par la suite, j'en sais rien. Vous avez eu une soirée entièrement en votre pouvoir pendant toute notre saison d'émission. Là, le lundi, et je sais pas si vous avez déjà rendu compte, mais c'était votre soirée à vous. Le lundi, vous êtes l'année entre deux émissions où c'est vous qui décidiez de tout. Vous aviez voté ma pute. Genre, vous aviez le 20k MMR. Genre, on dit Voja, joue avec une main, ça y est, c'est parti. Dans le thème à pute, oui. Putain. Non, bah, pas dans le thème à pute, t'es pas là. Ah bah non, mais dans le 20k MMR sous les mers, ils avaient le choix de ce qui concerne l'émission. Le choix des héros. Et dans le thème à pute. C'est pas tout, c'est pas tout. T'as dit qu'on avait le choix de tout. Je suis désolé, moi j'ai un minimum de décence. Il y a mensonge, il y a mensonge. On veut une photo du Capitole, monsieur. Une émission où les mecs ils peuvent me mettre tout nu et me la mettre par tous les orifices. Moi j'ai dit ok, on fait une émission ensemble où ils peuvent nous mettre à moitié nu. Ça te va? Ça fait toujours des compromis hein, en Suisse. Je vois. Non, c'est un... il nous reste un minimum d'honneur. On n'a pas eu besoin de plus de drapeaux blancs, de ce genre de choses. Donc l'honneur on l'a conservé, tout va bien. Lille, peux-tu faire le plays? Non, bah, il va mourir dans la fontaine, a priori. Pas? Non, c'est Cleveland celui qui a. C'est Cleveland. The Live. Fine. Quel joueur. Et en bas, on attend, on tape du bâtiment. Pas aussi long en embuscade. Mais en embuscade de pas grand chose en vrai. Y'a le Puck qui arrive. Oui, qui était censé arriver. Oh, désolé, copain, j'ai travaillé sur le creep qui est mort. Ah, bah, du coup, y'a Kessor qui s'est fait shooter. Et on perd la tour. En échange, on aura pris la tour top. Peut-il dire qu'il t'épait la fontaine avec la rage, middle, instant. Il s'est transformé en Puck. Course poursuite. Il faut une dagger avec son morph, il se transforme en Puck et course poursuite. Hein. Il y a des mecs ici qui jouent morph, même les morph corps. Essayez d'intégrer dagger dans vos builds. Non, très fort. Mort. Écoutez pas ce genre. C'est Post pas un putain 20. De support. Très fort. Oh les pathos. Non, t'arriveras pas à laisser tomber, malheureusement. Comment ça, si vous n'êtes pas un putain de support? Va dire à No One que c'est un support dans la game, pourtant il a une dagger. Ouais, mais c'est pas pareil son héros, c'est un assassin magique. Va dire à Nisha que c'est un support, et pourtant il a une dagger. Parce que le mort c'est peut-être pas un assassin magique. Non. Avec EB c'est pas un assassin magique. Non. C'est un assassin mécanique, il utilise des mécanismes pour faire... C'est un assassin à queue. Oh là là. Et non, je vois arriver sur le chat les love à queue avec une queue. Non, à queue comme l'eau. Bon, dilettré. Alors moi j'ai toujours dit que Morph c'était la waifu parfaite, parce qu'elle peut se transformer en n'importe quelle femme. Ouais. Voilà. Sauf qu'il le fait pas vraiment. Ouais, puis ça a l'air d'être un homme, il paraît. Hein. On dit le morphling, pas la morphling. Alors que c'est qu'une vieille flaque, donc c'est féminin, mais... La flaque, la morphling. Comment se scale le toss et l'avalanche et le passif de Tini? Je galère un peu à comprendre. Alors qu'est-ce que tu veux comprendre? Parce que là je comprends pas vraiment comment tu comprends. Alors maintenant le passif de Tini qui est son ulti ne change plus les dégâts des deux autres sorts. Ouais. Auparavant ça changeait les dégâts, ça vous donnait des dégâts bonus sur le toss en fait. Ouais. Ce n'est plus du tout le cas maintenant. Du coup l'avalanche et le toss ont des dégâts qui leur sont propres. La seule chose à retenir c'est que l'avalanche est doublée si elle tape une cible qui est affectée par le toss. Et on va dire que l'avalanche c'est une espèce de zone canalisée. C'est à dire que les dégâts sont pas instantanés tous les dégâts de l'avalanche. C'est sur la durée du stun avalanche, les dégâts sont répartis par certains tics. C'est pour ça qu'il faut faire le combo le plus rapidement possible. C'est avalanche toss ou toss avalanche. Mais enfin faut que quand le mec soit en l'air... Bah, faut qu'ils soient en l'air quand les dégâts des tics s'appliquent quoi, c'est les dégâts des tics qui sont appliqués, qui sont doublés. Parfait. Pendant tout un moment, il y avait des réflexions de est-ce qu'il y a un ordre dans lequel tu dois vraiment faire, c'est mieux de faire avalanche, attends, c'est mieux de faire toss avalanche. En fait, c'est pas super important, il faut juste que l'avalanche soit là pendant que le mec est en l'air dans le toss quoi. Allez, le morph, il cherche à faire quelque chose avec ses deux partenaires, ils ont quelqu'un la bombe. Quelqu'un la bombe. Pas trop de sentry dans le coin. Avec l'ultia, ils peuvent tuer le morph. Qui est encore la bombe. Qui est encore la bombe.
Un petit peu d'avantage pour VP, mais globalement, cette game est plutôt even. Hein. D'accord, la bombe. Le problème, c'est Lifestealer qui a pas grand chose. D'accord, la bombe. Et ça fait quel bruit les bombes quand ça explose, Phil? BOUM! Voilà. D'accord, la bombe. Ah, il y a eu un problème, les amis. Il y a eu un souci là. Bot. Ouais. Ah, là, là, il va le piner, mais d'une force. Transforme-toi en puck. Voilà, là, il se transforme, il va le silence. Même pas, il se transforme en agi pour les dégâts. Réforme. Oh, il a tout, ce qu'il veut. Qu'ils ont failli de pas le tuer. Hein. Et Lisha, il a peur de rien. Hein. Ramsès qui débarque. Oh, Ramsès, ouais, Ramsès, il est pas content. Oh. Et il va trop vite, il se met des vortex sous les pieds, il va trop vite. Hein. C'est bon, il est safe. Il s'est mis un vortex sous les pieds. Il a eu un petit sprint et il est trop vite. Pacha, putain. Il s'est transformé en Tide et il a le taunt avec le Tide. Ah, de tous deux. Ah, est-ce que ça prend tes taunts à toi ou est-ce que ça prend le taunt des gars? Je sais pas. Parce qu'il avait l'air d'avoir les cosmétiques du gars en face. J'ai pas fait gaffe en détail, mais. C'est con qu'il passe level 1, level 20 avec son morph. Ah, parce qu'on a parlé du level 20 avant, de genre qu'est-ce que tu peux faire de bien. Tony! Tony, tu peux faire double Tony, mais il faut que tu fasses dagger pour que ce soit marrant, vraiment. Parce qu'après, ah, mais... il peut faire du volleyball avec un héros. Ah, mais Tony te tosse sur quelqu'un et tu tosses quelqu'un à Tony. Ouais, et en fait, ça prend aussi le. Il faut que le Tiny soit 25, mais ça prend les 3 charges de toss aussi. Ah putain. Lily prend Bagdad. Il a pas pris l'Ultia, il va pouvoir s'échapper après le call. Nice. Et un timing. Est-ce qu'on veut plus. Et en plus, transformer. Vu que t'es dans un setup utilitaire, te transformer en ton poteau le Shadow Shaman, c'est pas mal non plus. Hein. C'est t'es vrai. Un Shadow Shaman. T'as un double Shaken. Tu promènes la meta. Ah, c'est vraiment trop bien. C'est le vraiment... double Link Razor sur. Et à mon avis, y'a moyen que tu conserves les dégâts du Link après quand tu te transformes en morph. Ah, aussi. Ça c'est sûr, ouais. Donc tu peux même commencer le Link et te retransformer en morph et t'as toujours le Link qui fonctionne. Alors il va garder son attaque speed de Moulin Amic, mais il va mettre des tartes. Tu en as rien à foutre, il vaut mieux, regarde-le. Salut mec, ça va? Ce jeu Dota 2. Dota 2. On se smoke côté VP, on va envahir la jungle. On a une ward, une sentry positionnée. On voit Elisha, on veut peut-être pouvoir le nuke. Nisha, on. Putain, mais il s'appelle Elisa et Nisha. Et moi j'ai envie d'appeler Elisa. Bienvenue chez Shosh. Bienvenue chez Shosh. On n'a pas réussi à track de la part de Kakor. Par de la vision supplémentaire. Oh bah attends, mais il y a un mec dans le tas. Ah bah c'est Kessor. Ah bah Ravage. Mais no one a esquivé. Oh, il a esquivé le tir avec le force staff. Quel joueur. Et Hardstyle qui va se jeter dans la mêlée. C'est Ward Trap. Je sais pas exactement qui c'est qui est Ward Trap au milieu. C'est le puck. Il a plus de mana derrière ce puck. Ça peut être problématique ça. Il peut face shift orb. Ok, ça va passer, je pense, pour lui. Ah, nice. Petit blink à la sortie. J'ai quand même perdu 3 personnes pour un pauvre petit Hardstyle. Du coup, c'est Rush qui devrait tomber, je pense. Il y a un ulti à donc 10 secondes, mais il sera mort dans 10 secondes avec le délai. Tini, il a une arcane et une DD. Ah, il ça est va. Violettement bleu. Tente quand même de style avec ton puck, non? Ouais, mais l'ulti il aura jamais à temps pour donner la vision. Je pense que c'est quoi que. Ah! Tu tentes de tuer Lille et quand tu même. Tu vas même pas tuer Lille. Oh, si tu vas le chercher là. Ouais, mais Lille, il sait d'où elle venait l'orbe. Ah-ha. Et là, bam, il peut se spirit vessel. Et il est quand même mort. J'étais parti middle parce que son destin m'intéressait pas trop. Ah ouais, parce qu'ils sont partis dive relativement loin, j'ai l'impression, mid, oui. D'accord, oui. Faire des choix dans la vie est suivant, hein. Clockwork, position 4. Ah, j'ai envie de dire. Ouais, c'est libre. J'ai envie de te dire que t'as failli mourir en. Ouais, en me foutant de la gueule de quelqu'un, ça se fait pas ça. C'est le karma, ma gueule. Et ouais. No one. Oh ah.
Il a failli. Il était resté de pierre, de marbre, de stone. Putain, j'ai raté ma blague. Ça prépare la dagonade sur Puck. Il essaye de finir son médaillon, Pacha, donc il va avoir un. Comment s'appelle ce truc, machin déjà là. Un super médaillon. Solar Crest. Voilà, il aura un Solar Crest. Heureusement que j'ai un co-caster. Pff. Ou un main caster, enfin j'en sais rien. Heureusement qu'il y a un mec qui connaît le jeu. On n'est pas un peu les deux. Oh, c'est beau ce qu'on finit. On est un peu l'un dans l'autre. C'est grâce que tu dis. Ah, ça, c'est une BKB. Est-ce qu'il l'a déjà utilisé? Ouais, deux fois. Ah oui, oui. Il a. Je crois qu'il l'a même fait avant de finir sa bike. J'ai vu sur Noone, mais. Oh! Noone qui a fait un blink agressif qui avait haste. Au moment où il s'est fait traquer, il a dit: toi, je vais te choper. Que tu gaspilles pas tes charges d'arbres sur les creeps là, voilà, ça tape là. On met les wards Shadow Shaman, hop là. Il a encore la Aegis Exotique Dire qui essaie de remove les wards avec la rage. Il va pouvoir se faire stun juste après. Il s'est transformé en Razor, deux Razor. Deux Razor, deux Razor. Passif. Razor plus Razor, qui est le plus fort? Allez hop. Oh, c'est génial, c'est en plus. Il a mieux à bouger à 522 avec son Razor et son stuff là. Mais ils ont eu la règle, ça, évidemment. Ils sont repartis avec ce pourquoi ils étaient venus. Non, pas utiliser l'Aegis, pas utiliser, utiliser uniquement une charge de BKB sur No One. Pacha a toujours sa BKB au même niveau. Bon, pas très convaincu par ce membre de Pacha. À part la phase de lane où il a déboîté le mec. Depuis. Et pas la panacée. Mais c'est maintenant qu'il peut faire des trucs stylés. C'est vraiment maintenant que sa game commence, je trouve. C'est le talon level 20 plus le morph à 40 secondes de CD. Alors par contre, ouais, tu as l'ICA, il lui met des tartes quand même. Hein. Il lui met quand même des tartes de niveau assez violent. Il peut plus essayer d'aller. Ils sont à 5 là. Il arrive tout le monde. Il a le force staff encore. Hein, il aurait du force staff plus tôt. Il va être stun. Oh ouais, blum. Jungling. Jungle. Bon, il a fait de l'espace, hein. Il a ramené du monde. Ils ont utilisé quoi? Ils ont utilisé Coil. Ils ont utilisé Infest. Ils ont utilisé Ultia. Ils ont utilisé Track. Heal, middle. Isha plus qu'Accor. Et que dégâts. Après, il y avait Ramsès dans la base à gauche. Il a abandonné quand il a vu arriver le Tide, mais. Oui, ils vont faire la guerre en bas. Oh, qui c'est qui se prend en Bagdad? Il a encore une DD, No One. On arrive à récupérer Elisa. H. Ce smoke. Ah ah. Vas-tu faire un blind shot avec ton clock? Il va. Mid. Il va. Il va pas. Middle, on a voulu go. Sur un style beaucoup trop élusif, comme on dit dans le métier. Il a ses wards à priori. On dit savonnette, mais élusif c'est ah. Bon, donc je te l'accorde. Ils vont, à mon avis, bourrer la tour en bas. De la même façon, ils ont toujours l'Aegis. Ils ont les watch le shaman. Y a pas le lifestealer, non? J'hésite. Oh, je sais pas. Ils ont Noone qui est pas très bien en PV et ils ont plus de charge de Spirit Vessel. Ouais. Un peu relou, mais. Ils vont quand même y aller. Oh, il a un peu pigeonniche à la tulo de VO. Pas trop de danger pour le puck. Et hop. Hop, oh, pète ses petites wards Shadow Shaman. Le morph est là. Alors, Pacha, il se transforme en quoi? Tony. Bah ouais, Tony. Et tu prends un arbre et tu tapes la base. Toss des creeps à la place. Il a récupéré la tour avec ça, y est quoi. Là, il se force staff et il toss back un mec. Genre le Tide, histoire de trop. Oh, bah y'a pas besoin, le Tide il y va tout seul, mon gars. Il a vu la direction, il y va tout seul. Oh, Ramsès qui s'est pris l'ultia, par contre un peu plus loin, mais il a sa BKB. Oh, il a le link sur le Lifestealer. Oh, c'est important ça, parce que lui il peut pas fight et Ramsès il va faire très 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 mal là-dessus. Allez, 2-2 pour Ramsès. Et un Unrax, c'est sûr. Et à mon avis, on l'a ton 2-0 qui te permettra d'aller raid à temps. Ça semble pas trop mal, hein. Ça semble pas trop mal pour VP.
Allez, retoli. Ok, il a fait la porte quoi, Pacha. Non, mais il peut se. Non, il peut pas se. Il peut démorph et Valère prend toute sa vie. Ouais. Allez, on va essayer d'aller chercher Kaysor un peu plus loin. Ils ont chopé Nisha, Lutia qui va connecter sur Pacha qui m'a l'air bien mort. Non, on n'est pas bien en PV non plus, il a plus les Aegis, hein. Il a des pop auparavant. Il y a plein de monde qui est track là, on va courir vite du côté. Côté Kinguin là-dessus. En vrai, Knockback est sacrément relou. Hein. Ouais. Putain, Nisha il a peut-être été un peu loin là-dessus. Ouais. Ouais, t'as été un peu loin, Nisha. Et sur, il tente, il faut mettre le Shuriken qui triple boons là. Je peux pas mettre le Shuriken qui triple boons, tant pis. Il a envie de se finir No One, hein. Hop BKB. Oh, ça va. Oh non. Ah, les héros rigolos. Tiny et Morphling. Ouais, oh, non, mais ça va, ils sont relativement rigolos à voir, ces héros, non. Mais justement. Okay, c'était pas. C'était pas kappa-esque là. Il y avait pas de kappa dans la voix. C'est sarcastique à ce moment. C'est en mode. Oh. Ah, les héros rigolos. Mais du Zanaga Siren. Non, c'est des vrais héros rigolos. Regarde, tu te mets en vue de ta cinéma, Tiny, il a un sourire. Un peu moins avec cette tête là, mais. Non, c'est plus trop un sourire là. Donc, Quali bébé, il a un sourire. C'est trop rigolo, il y a des sorts rigolos sur ces héros. J'approuve moi. T'es dagger là, Pacha. Non, pas troll, troll c'est pas drôle. Il reste un side. Ils se smoke. Ils ont vu la smoke. Mais c'est probablement juste pour avancer plus vite qu'ils se sont smoke. Ils vont arriver, ils vont foutre les wards. Bon, allez, régler le problème polonais. Ah! Ils sont totinés avec des arbres tous les deux. Ils sont partis, hein. No One, numéro 1 des Tiny avec les arbres. Oh bah Pacha, il aura jamais eu l'occasion de taper pour le moment avec son Tiny qui a les arbres. Il va toast des choses et il va. Bah, c'est lui qui a fait Noble Kill, je me demande pas pourquoi. Attends, Ramsès, il a été voir à la fontaine ce qui se passait. Il a vu qu'il y avait des gens à la fontaine. Il s'est dit, bah si je l'ai tué, voilà, hop, c'est fait. C'est good cool. Game. Un petit voyage tranquille de la part de VP pour, dans ce BO, hein. Ouais, mais dans ce tournoi pour le moment, ouais. Dans ce tournoi, c'est vrai. Ils ont pas fait beaucoup de games, hein. Attention, hein, ça va peut-être les surprendre. Et puis, en vrai, je trouve que Kinguin bah, a le, quelque part la pas de chance de tomber contre VP. Parce que je trouve qu'ils font un beau BO, honnêtement. C'est, oui, c'est ils se prennent 2-0. Oui, ils sont contre beaucoup plus forts qu'eux. Mais il y a eu des stomps beaucoup plus violents, hein, qu'on a vu. C'est vrai, c'est vrai. En même temps, Elisa H, il est que Divine 4 trash, comme on dit dans le métier. Non, il est Divine 5, mais il est pas rank. Ouais. Il a dû arrêter de faire des games. Non, non, mais ça joue bien, moi je suis impatient de les revoir. King.